monde, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo un peu particulière. Donc vous savez, vous avez pu voir à travers la miniature, on va s'ouvrir un petit coffret de cartes Pokémon. Et donc on va s'ouvrir cette fois-ci, vous pouvez voir le coffret de Moumouflon V. Donc voilà, comme j'ai déjà préparé il y a quelques mois, enfin il y a un mois de cela, pendant l'annonce des futures vidéos de la chaîne, je vous ai dit que je ferai sûrement des petites ouvertures de cartes Pokémon de temps en temps. Donc faut savoir que je ne ferai pas faire des cartes Pokémon tout le temps, non, parce que ma chaîne reste basée sur le jeu vidéo. Mais je me suis dit, parce que là je suis pas tout seul, j'ai mon petit frère à côté de moi, donc vous verrez pas dans la vidéo parce que voilà. Il est encore jeune, j'ai pas trop l'exposer sur internet, etc. Mais voilà, ce sera un peu mon assistant, donc il va pouvoir avoir les cartes ultra rares. Donc on va, si on a des ultra, si on a de la chance. Donc je vais passer au fur et à mesure les cartes, etc. Et puis on vous montrera si on a jamais on a une ultra rare. On pourra vous montrer les premières V qu'on a eues, parce que faut savoir qu'en fait, les cartes Pokémon, c'est mon frère qui les collectionne. Et du coup, je voudrais de temps en temps, dès que mon frère s'achèterait des cartes Pokémon ou dès que j'en achèterai de temps en temps pour lui, on fera des petites des vidéos ouvertures comme ça, juste comme ça, notre caisse, ça fera un petit peu nouveau contenu sur ma chaîne YouTube. Et je me dis pourquoi pas, ça peut peut-être vous intéresser. Et puis, comme dit, ça peut un petit peu changer par rapport aux jeux vidéo, ça change un petit peu et ça sort un petit peu. Bah, comme dit, ça sort un petit peu des vidéos que j'ai l'habitude de faire. Donc, je me dis pourquoi pas. Donc, aujourd'hui, ce sera le coffret de Moumouflon V1. Et puis, si jamais cette vidéo, je vois que cette vidéo vous plaît, on continuera les vidéos ouverture avec mon frère. Donc, mon frère qui est toujours à côté, que vous ne verrez pas en vidéo. Mais on continuera si jamais ça vous plaît. On en fera, comme dit, de temps en temps. Donc, peut-être une ou deux fois dans le mois. Si on trouve des petits coffrets, des petits tripacks. Ou si on commande sur internet sur des sites spécialisés comme Bakuzia ou sur Picastore. On verra bien. En tout cas, on va faire un petit essai sur cette vidéo. Et puis, je verrai sur la vidéo sur vos retours si ça vous plaît ou non. Si vous voulez qu'on continue de temps en temps. Donc bien sûr, encore une fois, c'est de temps en temps et non tout le temps. Ne vous inquiétez pas, parce que je fais toujours du jeu vidéo, c'est la priorité de cette chaîne. Mais bon, sans plus perdre un instant, on va ouvrir ce coffret qui contient donc forcément la carte promo de Moumouflon V et la version Jumbo. Et nous avons bien sûr 4 boosters de la série La Voix du Maître. T'as oublié aussi des jacks? Oui. Oui, dire qu'on a aussi des anciennes cartes Pokémon. Alors oui, il y a des anciennes cartes Pokémon, mais ça, on verra dans une future vidéo, comme dit. Ouais. Ça, on verra bien. Mais comme dit, si jamais ça vous plaît, on verra si on fera des vidéos, si on montrera les cartes rares que mon frère possède, que j'avais depuis quand j'étais plus jeune, quand j'avais des cartes X et GX, par exemple, qu'il collectionne. Et comme dit, on vous montrera, si vous voulez, un petit aperçu des cartes ultra rares qu'on a eues des séries épée bouclier. Donc encore une fois, moi je fais ce genre de vidéo parce que vous savez, encore une fois, bien sûr c'est pour la collection de mon petit frère qui collectionne les cartes Pokémon. Moi je fais ça dans le but dans les vidéos ben, pour ouvrir des boosters parce que je trouve ça super sympa d'ouvrir des boosters parce que ça me rappelle un peu, ben, mon enfance, l'époque où je joue aussi un peu aux cartes Pokémon, je collectionnais un petit peu. Et le fait ben, de savoir si on va avoir une ultra rare, etc. C'est satisfaisant d'avoir une petite carte ultra rare, etc. Alors, déjà, comment ça se passe avec cette promo? Alors, attendez, il y a un petit bout de plastique. Bon, après, pour le coup, c'est quand même bien protégé. Donc, voici la sortir délicatement. Ça, c'est un peu le problème des coffrets, c'est un peu chiant. Hop là. Voilà. Donc là, nous avons la carte Moumouflon V en jumbo. Pas jumbo, en normal, en promotionnel. Donc voilà, plutôt sympa. Donc là, je donne à mon petit frère qui va l'arranger dans le classeur. Donc, il faut savoir, on achètera aussi des protections au fur et à mesure, enfin, qu'il achètera. Pour mettre bien sûr les cartes ultra rares qu'on aura bien sûr des séries en attendant on met dans les classeurs en attendant pour bien les conserver. Alors nous avons bien sûr la version jumbo de Moumouflon V. C'est plutôt sympa franchement, elle est somme belle franchement, très sympa. Ah tiens, voilà. Et bien sûr là dedans nous avons, ah là je vous donne le code online pour ceux que ça intéresse. Je sais pas s'il est à l'envers, je sais pas quoi, bon voilà je vous le donne. Donc ça c'est vraiment pour ceux qui vont jouer au online. Voilà. Et là dedans, nous avons 4 boosters de la série Pokémon été bouclier, la voix du maître. Donc voilà, et nous avons plus rien de ce coffret. Donc voilà, on a 4 illustrations, enfin on a non 3, oui, on a 4 illustrations, enfin on a juste 2 de la même illustration, donc on a 2 de garde-voir qui sont juste ici. Et nous avons un de Charmeleon VMAX et de... comment s'appelle ce Pokémon? Ixon. Ixon de Galar. C'est
pas Ixion, non, c'est ça, c'est le... Si, c'est Ixion de Galar. C'est Ixion de Galar, donc Ixion de Galar. Donc je connais pas forcément les nouveaux Pokémon de Galar, etc. Parce que forcément, moi, je suis pas forcément tout l'actualité Pokémon, mais je connais en minimum les premières générations Pokémon. Bon, on va commencer par les boosters Gardevoir et on finira par celui bah, de Ixion, je pense. Hein. Ouais. Yes. Yes, on va faire ça. Seulement, au fond, vous voyez, il va. Il t'en prend pas, si on a le B, ça va que 2-3 heures au maximum. Ouais. J'aurais peut-être dû prendre un petit ciseau pour les ouvrir parce que là ça va être pratique de les ouvrir. Hein. Enfin, que la première fois je prends des ciseaux. Ouais. Parce que là c'est un peu chiant de les ouvrir là. Il n'y a pas un petit truc pour ouvrir. Bon bah attendez, je vais voir ce qu'il y a. Oh, bah, ah bah c'est bon, j'ai aussi à l'ouvrir. Attendez. Voilà. Alors. Donc pareil, je vous donne le code pour jouer en ligne, pour ceux qui veulent débloquer les boosters. Donc bien sûr, la manipulation, vous la connaissez, je pense. Et... Alors, je sais pas. Bon, attendez. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc désolé, j'ai pas vraiment tout, donc j'ai pas forcément le matos nécessaire. Encore, mais on verra plus tard. Donc bien sûr, pour avoir la carte la plus rare là derrière. Donc on va commencer. Attendez, on va essayer de la tenir correctement. Donc nous avons, pour commencer, un Sepiatop. Une Pokéball. Une énergie feu. Comment s'appelle Pokémon ? Gripat. Donc ça c'est le nouveau Pokémon de la série. Donc là c'est un Zigzaton de Galar. Bagiguan. Motismart, ok. Nous avons Léopardus. Sharpedo. Percy en reverse. Et là, normalement, on va voir si on a une holographique, une simple rare ou une ultra rare. Et... Oh, Zygarde holographique. Bon, c'est pas mal, une petite holo. Voilà, au moins, c'est pas une simple rare, ok. Une petite holographique, ok. Pourquoi pas. Il me reste encore 3 boosters, donc on va voir. J'espère que celui-là, j'arrive à mieux l'ouvrir. Allez. Ok, bon. Alors... Donc je vous donne pareil le petit code, comme à chaque fois. J'espère que vous allez bien voir. Voilà. Encore un mini passion. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2. Tac. Et c'est reparti. Attendez. Voilà. Donc Tilton. Goopix. Nous avons Mianiasme. Charby. Zigzaton de Galar, encore une fois. Énergie électrique. Concert douteux, il me semble que ça, on peut l'avoir en Secret Gold, si on est dans cette série. Nous avons Dame du Centre Pokémon. Allez, faites-nous péter une petite, au moins une petite ultra rare, allez. Nous avons Nabil. Altaria, et ça doit être une rare ou une holo reverse, Altaria. Je sais pas si toi tu connais mieux les séries que moi. Je crois que ça donne ça à peu près. C'est une simple rare. Hein. Rare, donc voilà. Et nous avons derrière une. Oh, oh, quoi? Oh non. On a Torgamor VMAX secrète. Sérieux? Oh punaise. Oh putain. Non. Mais non. Mais non. C'est pas possible. Mais non. Oh. Mais non. VMAX arc-en-ciel. Nous avons. Ah, mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais. Les arc-en-ciel sont des cartes. Et puis encore VMAX, et en plus encore. C'est une carte VMAX full art rainbow secrète. Ça vaut au moins dans les 570 euros. Non, actuellement, comme ça encore ça vaut peut-être encore un peu moins cher, mais. Oh putain, mais c'est pas possible. Oh, je suis choqué. Oh, Torgamor VMAX rainbow. Oh, je pensais pas qu'on était tombé. Il manquerait plus qu'il y ait un Dragonfeu Véchané et franchement, au début, quand j'ai vu que ça brillait, je me suis dit peut-être Dragonfeu, parce que dans ce moment, on peut avoir le Dragonfeu VMAX fantôme. Mais c'est pas Dracaufeu, mais franchement, c'est Torgamor. Si c'était Dracaufeu, ça vaudrait dans les 300 balles déjà. Même plus. Ouais. Mais putain. Ah ouais. Eh, il y a un défaut sur la carte. C'est pas aligné. Non. C'est pas aligné. Oh là là, elle est mal quadrillée. Non. Mais c'est pas grave, eh, franchement. Déception. Oh, c'est bon, c'est déjà bien. Eh, franchement, une rainbow, quoi. Oh, eh, franchement, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, franchement, pour cette première vidéo de carte Pokémon. Oh là là. Ah, mais là, on a vraiment de la chance, hein. Oh, eh, franchement, ça, c'est... Oh là là, c'est tellement beau. Bon. Tiens, je te confie, fais très attention. Bon, après, c'est pour ta collection.
Eh, franchement, là, on est bien, franchement. Si on peut avoir une petite foularde encore, ça serait encore mieux. Et si on a Dragouf et Chana, alors là, on a Lucie. Oh, si on a levé aussi, oh putain. Bon. Oh là là. Vous savez, avec les coffrets, c'est vraiment avec la chance, tu vois. Parce que par rapport au display, dans un display de cartes de Pokémon, sur 36%, on a un petit quota entre 6 et 7 ultra rares. Alors que dans les coffrets, on sait pas, on peut très bien avoir une rainbow comme une foularde, une simple V ou rien du tout, tu vois. Ça veut dire que le quota des coffrets, t'es pas ouf. Ça dépend, mais c'est, ouais, ça dépend. Mais c'est vrai qu'en général, on a moins de chance d'avoir sur les coffrets, mais là, on a encore le code de ce prochain. Donc là, on est au troisième avant-dernier booster. Et franchement, là, ça commence déjà super bien. Ouais. Ça, c'est une VMAX en plus. Franchement, est-ce que toi, tu penses qu'on allait avoir une fantôme, franchement, ou une full art? Je pensais pas que ce serait... Non, je penserais pas. Et en plus, ça, c'est une VMAX en plus. Bah, c'est une VMAX en plus, hein. Parce que vous avez la VMAX, pour ceux qui savent pas, de qui est dans le jeu Pokémon épée bouclier, c'est vachement les Pokémon qui sont en gros plus grands. Donc, voilà. Donc là, nous avons Linoga. Et franchement, là, c'est vraiment ouf. Hein. Ouais. Lignon de Galar. Ça rembourse le coffret, là. Bibichute. Nous avons Tilton. Là, c'est encore quelque chose derrière, franchement, c'est ouf. Hein. Magiguan. Franchement, là, n'hésitez pas à mettre un coup de pouce. Shiny. Franchement, et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, franchement, si vous voulez encore d'ouverture de temps en temps. Dracofeu Shiny. Parce que vous savez, moi, après, moi, j'ai les moyens. Si, moi, je vais faire un petit aparté. Moi, j'ai les moyens, si vous voulez, d'acheter des displays, des coffrets, ce qu'il faut. Mais moi, je collectionne le jeu vidéo, comme vous savez. Lui, c'est mon petit frère, c'est qu'il collectionne vraiment les cartes Pokémon. Mais moi, comme dit, je vais pas non plus dépenser je sais pas combien pour les cartes Pokémon, parce que moi, je ne collectionne pas. Mais j'aime bien ouvrir de temps en temps, parce que je trouve ça plutôt sympa de voir des cartes Pokémon. Mmh. Mais franchement, voilà, dites-le moi dans les commentaires, encore une fois, et puis on verra de temps en temps avec mon frère. Oui. On se cotisera pour faire des petites ouvertures de temps en temps. Ça m'a dragon fait déjà l'air là, j'hallucine. Ouais, bon, là, faut peut-être pas abuser non plus, hein. Bon, on a Carvana. On a une énergie sombre, donc obscure. Oui. Nous avons le petit Machopper. Ça, c'est des Pokémon qu'on connaît depuis les premières générations. Dame du centre Pokémon. Nabil, encore une fois. Le rival de Et nous avons Total Soin en reverse. Et qu'est-ce que nous avons derrière pour la rare? Oh, Scolossandre en holographique. Pas mal. Mais je crois que cette série, il n'y a que des holographiques, il me semble, non? Non, tu peux avoir des rares. Ah, vous pouvez avoir des rares, ok. Mais vous savez, moi, je connais pas forcément les dernières séries, donc voilà. Donc, Scolossandre holographique. Ok, franchement, on a deux holos, une rainbow. Franchement, c'en est pas mal, franchement. Ouais. La rainbow, elle a tout... Ça rembourse le coffret, ça rembourse. Ah bah là, elle rembourse largement le coffret. Hein. Oui. Donc là, on a bien... l'argent, je rembourse le coffret. Donc là, on est dans les boosters, donc le booster de Ixon de Galar. On va voir ce qu'on va voir. Et si on a le Dracofeu, alors là, j'hallucine. On va peut-être pas abuser sur le Dracofeu, mais bon. Là, je vais chercher le truc. La prochaine fois, je prenais un petit ciseau, quelque chose, hein, parce que là... Ouais. Bon, c'est parti pour, alors, le dernier code de ce booster. Voilà. Donc, on va faire encore la manip. 1, 2, 3, 4, 1, 2... Et franchement, franchement, première vidéo ouverte de carte Pokémon, on tombe sur une rainbow. Franchement, la probabilité de tomber sur une rainbow. Et on veut ça VMAX en plus. Ouais, en plus, hein, c'est ça. Bon, allez, c'est parti pour le dernier booster. Donc, nous avons Rocabo. Ça, c'est des nouveaux Pokémon. Donc là, on a Aspico. Donc, ça, c'était la première génération. Tilton, ça, c'était la deuxième ou troisième. Je sais que c'est troisième. Troisième génération. Conconfort, ça, ça me rappelle, c'est les premières générations. Pokéball. Voilà. Là, nous avons une énergie O. Nous avons la dame du centre Pokémon encore une fois. Nous avons le petit Victini, hein, là, qui fait plutôt plaisir. Nous avons Kabu. Ok. En reverse, Altaria de nouveau. C'est Altaria qui a provoqué la chance, en hein, alors, c'est parti. Là-dedans, on peut tout peut arriver. On peut très bien avoir rien du tout, comme une holographie, comme on peut avoir une simple rare, ou bien une rainbow. Une full art, une secrète. Ça semble très peu probable. On va voir tout de suite. 1, 2, 3. Recherche du professeur en holographique. Bon, c'est pas terrible, mais bon. Bon, bah voilà, écoutez, on a chopé. Voilà, c'est la fin de cette ouverture. Donc voilà, on a déjà chopé une seule ultra rare, mais franchement, l'ultra rare, elle est hyper belle. Là, il est mon frère l'a rangé. Je sais pas si bien l'avoir. Notre cher petit Torgamore VMAX. Et vous pouvez le voir, nous avons déjà quelques V. Tourne la page un donc, peu, il y a encore. Oui, je vais leur montrer. Donc, nous avons aussi chopé dans l'ancien booster. Nous avons eu donc le Demolos V, le Blanc Coton V. On a eu aussi le Flagados de Galar V. Et là, on a fait ça sur le Moumouflon V en,
en promo. Oui. Et normalement, il y avait encore d'autres Ultra. Je sais pas si c'était des GX, des Special Venue. Ah oui, c'est vrai, on a eu aussi, c'est vrai, on a eu aussi une Secret Gold qui était simplement la capsule mémoire. Donc ça, c'est vraiment le voltage éclatant. Le voltage éclatant, ouais. Nous avons aussi les Amazing Rare, donc le Rayquaza qui est pour moi la meilleure carte de cette rareté. Le Jirachi Amazing. Exagit V aussi, après on a eu une Noctue Noire, Tarak en holographique aussi. On avait tout ça en Free Booster après. Ouais, c'est vrai que ça c'était aussi ouf. Et après on a des simples cartes tout simplement. Certains c'est des GX aussi. Et après on a, je crois que tous les autres durant on les avait mis dans ton coffret où tu mettais tes cartes ultra rares. Hein. Ouais. Ouais. Mais franchement, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette ouverture? Bah franchement, voilà. Franchement, on a peut-être eu une seule ultra rare, mais franchement, c'est pas n'importe quelle ultra rare, c'est Torgarmor VMAX Rainbow, la une des cartes, waouh, franchement, j'ai pas les mots. Donc voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo ouverture. Donc j'espère que cette ouverture de cartes Pokémon vous aura plu, les amis. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et encore une fois, je vous le redis, je sais que je me répète dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, enfin plutôt à nous dire si vous voulez d'autres vidéos d'ouverture de cartes Pokémon sur d'autres séries un peu plus récentes ou d'autres anciennes séries, enfin pour cette série on verra, mais sur des prochaines séries, etc. Et comme je vous ai dit, si vous êtes chaud pour ça, on en fera pas tout le temps, mais de temps en temps, dès qu'il y aura des coffrets, des tripacks, enfin vous verrez bien en tout cas. Et on verra si on pourra faire d'autres vidéos spéciales Pokémon si vous voulez. Donc voilà, vous verrez bien, mais je vous rassure, c'est pas ça va pas remplacer la chaîne de vidéo, donc vous inquiétez pas. La activité principale de cette chaîne, ça restera le jeu vidéo, mais de temps en temps, faire quelques vidéos de votre carte Pokémon, ça peut être sympa. Bref, vous me direz ça dans les commentaires ce que vous avez pensé. Moi, je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye et à la prochaine.